Alors pour nos biscottis, aujourd'hui nous allons utiliser, voici le mélange de farine. Ici j'ai la farine d'amande. Normalement la recette c'est 2 tasses de farine d'amande, mais ici j'ai mis 1 tasse et demie avec un peu de farine de coco. J'ai mis 1 tasse et demie parce que je voulais mettre un peu de farine de coco. J'aime ce mélange là, amande coco. Et ici nous avons la gélatine de bœuf, c'est ça qui est brun là, une petite cuillère. Et nous avons aussi 1/4 de tasse de beurre. Et ça, ce sont des fruits séchés. Il faut faire attention parce que c'est... Enfin, il faut mettre juste un peu. Ça, c'est des canneberges. Et que j'ai mariné dans du rhum. Nous avons ici notre sucre zéro. 0 calories et érythritol. C'est 1/3 de tasse. Juste un œuf. On va mettre une petite cuillère de poudre à pâte. Un peu de sel. Et au-dessus... la déco, nous allons mettre ces amandes découpées. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Alors, dans notre bol, ici, nous allons mettre la farine. Notre édulcorant. Notre poudre à pâte. Et le sel. Le sel, c'est... 1/4 de petite cuillère. On mélange ça. On mélange avec du beurre. Le beurre, l'œuf. Donc on mélange donc avec. On a le beurre, l'œuf et nos petits fruits marinés. Ça, c'est vraiment ma petite touche parce que je voulais avoir ça, mais ça, c'est vraiment facultatif. On mélange bien toute la pâte. Nous avons donc une pâte comme ça, ici. Donc, dans cette pâte, on va la presser ici, sur notre... On presse comme ça. Aussi voilà. Ça va bien dans la pâte. Voilà. On va mettre au four à 325 degrés Fahrenheit pendant 20 minutes 20 à 25 minutes pour un début. Et ça c'est comment c'est sorti du four. On va laisser reposer pendant 30 minutes. Ensuite, on va découper et on va encore remettre au four en baissant la température à 250 degrés Fahrenheit pour que ça soit bien croustillant. Et c'est magnifique. Alors, on va couper maintenant en 14 tranches. Donc, je vais couper 7 ça et au milieu, ça me fera 14 tranches. Et on va remettre au four à 250 degrés Fahrenheit pendant 15 minutes. Donc voilà, ça a bien découpé. C'est déjà bien doré. Hein? Donc la recette dit de remettre 15 minutes au four à 250 degrés Fahrenheit. C'est ça qu'on va faire. Bon, on va déjà disposer. On va laisser encore se refroidir pour que ça soit après durcisse, mais c'est déjà pratiquement croustillant. Donc voilà. Yummy.